belle aventure. On vient d'écouter, mesdames et messieurs, un hymne national en début de stream. Oui, vous voyez, je me suis pas trop forcé sur le green screen aujourd'hui. J'ai gardé les lumières tamisées aujourd'hui parce que on va jouer à Ori seulement. Ori, le deuxième, Will of the Wisp, un jeu très, très sympathique, vraiment très beau. Donc, comme à chaque fois, s'il vous plaît, je vais aller rattraper le chat, ce qui s'est passé pendant que j'ai mis des clips, hein, parce que je mets tout le temps des clips avant de commencer le stream, ou en fait le contenu du stream, pendant le décompte, on peut dire. Vous me direz si vous aimez ça, si vous en voulez plus, ou blablabla, mais moi j'aime ça, je les regarde aussi avec vous. Donc voilà, Naonak qui est là, j'ai besoin de notes pour l'hymne national. Naonak qui est là, merci pour la première belle bourrasse, Mostongi. Le kiki du nez, oui, c'était pas mal drôle, ça. C'est... En fait, Chinook, qui est dans le coin, qui va sûrement repasser tantôt, il m'a dit, mets des clips mexicains ou du Mexique. Fait que là, j'ai tapé M-E-X-I dans notre banque de clips. Et il y a eu ceux-là, entre autres, qui sont sortis. J'ai mis ceux qui avaient l'air les plus intéressants. Donc, quand même, un nain habillé en singe vert qui se fait botter, c'est weird. El Boucher qui est là, comment ça va? Moi, ça va tranquille. C'est ça, une soirée gentille à jouer à Ori. Je pense que ça va faire du bien. Il y a Malok qui est là. Est folle, oui. Quel acting intense. C'est une classe de maître d'acting, dit Malok, oui. Simon Rand qui est là. L'album de Superpunk est super. Oui, il est vraiment très drôle. Ken Malheur, Ken Guillaume, c'est un de mes bons amis. Un Français, hein, comme quoi que l'amitié internationale est possible. Et voilà, ben, je vous conseille fortement d'aller voir Superpunk, je pense qu'il a fait ça aussi, avec Noé Talbot, qui est un professeur très sympathique, avec un propos acerbe, hein, on va le dire. Donc oui, mon front vert, j'ai expliqué pourquoi. Dodilos qui s'est abonné, merci beaucoup, c'est super gentil. C'est très 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 gentil. Moins 5,2 pour l'hymne national parce qu'il était trop long. Un nain habillé en singe qui s'est fait kick pour un headbutt, un autre lutteur, ça n'a pas de prix, et voilà. Un homme qui connaît ça, donc, moins, on est dans le moins, toi. J'irai pas dans le moins, on veut pas insulter des menaces, mais c'est vrai que c'est trop long, pis ça perd des points. Et moi, j'irais à 5, fait que, tiens, tu vois, j'ai été plus sévère que toi, d'une certaine façon. Donc, je vais la remettre, et je vous avertis tout de suite, c'est pas pour insulter le Honduras ou rien. Mais c'est trop long, j'écouterai pas au complet. Vers la milieu, il y avait comme on dirait que ça finissait. C'est peut-être l'enregistrement qu'il met deux fois. Fait qu'à la fin, on va l'écouter juste une fois, puis ça va être ça. Donc, oui, c'était le Honduras. C'est vrai que c'est une information importante. Le Honduras, on lui souhaite bonne chance. Il a l'air de vivre des soubresauts de l'impérialisme qui rendent le tout un petit peu difficile pour plusieurs personnes. Donc, nous voilà, je vous l'avais promis. C'est là, on a commencé la dernière fois. Ce qui veut dire que ça va être la deuxième fois que je joue. Je me mets un petit peu de volume ici. Et je vous mets surtout un peu de volume de ce côté-là. En montant celui de la Switch, gênez-vous pas si jamais on peut améliorer le volume d'une certaine façon. C'est le genre d'affaire que je... Hey, j'ai fait 3%. On est presque rendu au bout. Je pense qu'on peut enlever le gros carré avec aucun Chinook dedans. Tu dis salut à Shaolin Weaver et à Pasqua. J'espère, en tout cas, considérer ce que je viens de dire comme étant des saluts. Ok, fait que là, je suis un petit peu jamé déjà. Allez, seulement 3% puis tout ça, t'as maintenant. Oh. Peut-être que je peux essayer de venir en haut à gauche. Parce qu'en bas à droite ici, quand c'est plus gris, quand comme ça ici, je peux aller encore. Puis là, ici, je suis allé. On va essayer d'aller. Mais ouais, c'est parce que les dernières affaires que j'ai débloquées, c'est les grosses têtes ici. Puis je vois que ça là-bas, c'est, en tout cas, j'ai l'impression qu'on est comme dans la bonne direction. Je vais aller vers la droite. Merci, double saut. La Twilen. Bon,
déjà. T'en prendre deux tonnes, mais alors je n'ai juste 11. Merci ta fidélité, je t'ai acheté une affaire une fois. Ah oh! Ah oui, oui, oui. C'était rien d'autre. C'est ce qui est hot, l'épée, hein. Ah! Où tombe? C'est une roche intelligente, ça. Salut, vilain troll! Ah ouais, là, j'avais eu la... Essayez de monter peut-être. Ben, lui il est là, hein. Parle-moi, Moki. Quoi les fantômes d'esprit sont-ils aussi pressés? Où est-ce qu'ils vont? C'est tout ce qu'il reste des anciens esprits. Maintenant, j'espère qu'ils ne finiront pas par partir comme les autres. Écoute, ce qu'on veut, c'est... idéalement, le bonheur, hein, ce... Au! Au! Ah oui! Non! Le jeu, il nous auto-aim un petit peu, ça c'est quand même très cool. Puis là, ça, je l'avais tordu. Quoi ça avait fait? Ah, tiens, je peux-tu la... Ah non, je peux plus la rouvrir. Fait que là, ça aurait fait quelque chose. Je vais essayer d'aller voir en bas. Ah ben là, c'est évident que c'est en bas qu'il faut que j'aille taper l'affaire violette qui est à côté de la boule violette. C'est un trou, là. Il y a... Ah, ben non, il n'y a pas de trou. Oh! Ah! Ah, ah, ah. Ah, ben non, j'étais passé. Fait que c'est une bonne chose, c'est là. On va essayer. Maintiens B pour sauter plus haut. Bla 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 bla. Fait que ça, je vais pouvoir plus tard quand l'eau ne sera plus empoisonnée. Là, si mettons, il est comme ça, là, il est activé, puis là, il est correct. Il y a comme un angle, là, qui... Oh, j'ai plus de magie. Salut, Tommy, quand est-ce que tu fais une soirée de film? Ben, on retombe en semi-confinement hardcore à Montréal. J'ai l'impression qu'on va se faire ça vendredi. Vu que, tu sais, tous les autres projets tombent à l'eau. Bon, merci, Les gens qui ont travaillé fort pour que ça arrive, les Stéphane Blais, Alexis Cossette-Trudel, là, des champions de la liberté d'expression qui font qu'on est enfermés chez nous pendant un mois encore. Et là 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 là. Ben,
Ça, toi, tu peux-tu monter? Y'a-tu quelque chose que j'ai manqué? Parce que c'est sûr, c'est là, là. Ah, peut-être que je peux sauter d'ici. Peut-être que je peux... Il était temps que du monde comme la mairesse de Montréal sorte. Ben oui. C'est un peu maladroit ce qu'elle a utilisé, là. Mais oui, effectivement. C'est-tu que je suis tanné, là? Je suis tanné d'être jamais là, pis je suis tanné aussi que... Yo, Chinook! Chinook! T'es encore en train de sauter dans le salon. C'est sûr que c'est pas ce que je suis en train de faire, la solution. Fait que, y a-t-il quelqu'un qui a une option? B pour sauter plus haut. Ben oui, j'essaie. Voici quelque chose. Ah ah! Ah oui! Ah ah, je viens de débloquer! Dans mes erreurs les plus P. Continue. Est-ce que jeu marteau? Fais ça de même. Ça va être nice. Faut toujours voir le positif. Ouais, effectivement. Là, oui. Moi, j'aime beaucoup ma routine ici au musée. J'aime ça pouvoir faire aussi ma nourriture, de manger ce que ça me tente. Ben, c'est pas que je pouvais pas à ma job, mais je trouve que c'est... Et voilà, c'est plus facile chez nous. Ah ouais, quoi? Toi? Quoi? Là, je recommence super loin, là, à l'autre bout. Mais je suis pas obligé d'en tirer aucun de ces affaires-là. Tabarnak, calmez-vous. On va se le dire, par contre, j'ai pas été super bon là. Ok, puis comment que ça se passe? Oh là 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 là. On dirait que c'est comme une switch. Ouais, Chinook! Ouais! Ok! Je pense que j'ai trouvé la solution. La frappe! Elle est en haut, la roche. Ok! Ouais! C'est un petit peu un... Je veux
pas dire un problème, là. C'est peut-être une particularité de ces jeux-là. Et voilà. Ah! Ben... Oh! Ah, ok. Wow. Puzzle concept, mesdames et messieurs. Puzzle concept! C'est trop de temps. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas. Peut-être que je trouve que les puzzles sont un petit peu trop. Pas compliqués. Non, je sais pas. Peut-être que les maps pourraient aider un peu plus. Comme là, j'avais vraiment l'impression pendant un bout de temps qu'il fallait que je vienne de bord. Mais peut-être que si j'avais été bon aussi, c'est peut-être. J'en parlais. Alors, à date, c'est très bien. Il y avait un petit quelque chose dans le premier qui me déplaisait. Je sais pas si ça va revenir. Je me rappelle pas trop non plus le, comment j'avais verbe. Oh! Là, on a du fun. Ah ouais, on pourra pas recevoir personne pour 28 jours, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est pour notre sécurité. En tant qu'un moutruche, ça va nous permettre de faire nos recherches. Là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, puis l'hiver s'en vient. Fais sûr d'avoir fait tes recherches. On en a parlé tantôt, hein. Tu veux pas comme être comme la cigale. Puis là? Qui a fait aucune recherche de l'été, puis là, t'arrives à la fourmi, puis. Mais là, je pense que des fois, il y a quand même des trucs niaisés, des fois. Moi, comme. Là, la personne seule va pouvoir recevoir une personne, mais la personne seule ne peut aller chez la personne qui habite avec plusieurs personnes. Là, c'est un peu niaisé. Je sais pas quoi dire, moi. Ça l'aide. J'ai de plus en plus envie de. En tout cas. On est bien ici, là. On a même Chinook qui est là. Moi, j'ai hâte de le pogner, Chris. Après ça, ça va être fini. Ben oui, c'est ça, il n'aura plus de problème après. Correct, je vais le pogner. Ah, oh, ok, ok. Tu sais comment c'est beau le jeu, man. Dans lui, j'ai une crise de grosse épée. De recherches qui viennent d'être faites. Là, c'est quoi qui vient d'arriver? Ok, c'est que l'eau, elle a tout coulé et tout. Ouais, c'est ça. C'est ça, je suis là, grand tournée! J'ai tout torché! Je pèse par en bas pis B pour passer au travers. Toi, Chinook, hein, comment tu vis ça, là? C'est qui se passe de bon? Moi, ouais, je sais pas. J'étais en train de penser au. En tout cas, déjà. Ceux dont on doit prononcer le nom. Toi, tu parles des Cosby, là. Ouais. Ok. Pas facile ce qu'ils vivent. Je sais pas pourquoi c'est pas facile ce qu'ils vivent, mais. Ou c'est différent. Écoute!
Au moins, on a des beaux masques. Moi, il y a quelqu'un, un fan, qui m'a envoyé un. Êtes-vous. Bonjour, Martin Godet. Après streamer. Ouais. Quand j'ai fini, tu me le diras. Faudrait que je parle à tout le monde. Non, mais j'ai reçu d'autres affaires. Là. Au téléphone, pis tout. Là. Ok. Oh, oui, ça va me faire plaisir de discuter. Tabarnak, hein? Oh! Ça serait-tu fait menacer par Sir Donne-toi pour moi? Oh! Oh! Voyons, crème. Ben pourquoi j'essaie d'aller là aussi? J'ai l'impression qu'il va falloir que je monte sur le top des roches qui tombent pour. Ok, faut qu'on va. Hey! Je suis content aussi parce que la dernière fois j'avais sauvé. Il y a comme vraiment pas beaucoup de save, mais j'ai juste arrêté, puis ça m'a fait recommencer à la place où j'avais arrêté. Je savais pas que ça marchait comme ça, j'ai comme pris une chance, puis ça marche comme ça. Faut que ça c'est cool. Wow. C'est comme je meurs là, je recommence pas trop loin. Mais ça fait que même si challenge. Oups, pardon. Même si le challenge est excessif et prenant, ben. C'est ça. Ouais, ouais. Oh, plus que. Oh, pénis. Oh, comment je suis là. Tu vois, il y a ça de bien, Chinook. C'est comme des recherches faites, ça. Ouais. C'est comme un dossier, tu peux le laisser de côté, tu peux dire j'ai fait mes recherches. Puis là, ben écoute, à partir de là, et bateau. Wow! Moi, tu vois, j'ai essayé de. Je me rends compte que de boire du thé le soir, ça m'empêche de vouloir manger trop de grignotines. Ah! Ben, tu m'en feras un, on va t'en prendre un. Ouais, hein? Ouais, ok, je peux aller faire ça. Ah. Est-ce que tu veux un petit thé vert chai ou un thé noir? Le choix du chef. Prends-moi celui que t'aimes le moins, comme ça il va t'en rester plus de celui que t'aimes le plus. Ben, je sais pas, là, je découvre le. Chai chef. S'il te plaît. Ok. Hein? Ouais. Yes, tu vois bien qu'il faut que tu sautes juste par-dessus, puis qu'à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est parce qu'il était juste là. J'ai hâte de pouvoir sauter plus haut. Activer le pédestal! Le pédestal est activé! Yeah! Yeah! C'est un téléport, ça? Tu as débloqué un épreuve. Les épreuves, rumeur étudiée. Ok. Es-tu en train de me dire de faire mes recherches? Est-ce que la dernière fois vous avez entendu quelqu'un vous rappeler de faire vos recherches? On dira ce qu'on vous donnera.
vous avez des questions à poser à Chinook, ça va être le temps, là. Il a l'air réceptif. Toi? Peur de rien, ok? Ha! J'aurais dû pouvoir faire mes recherches. Lui, il pêche des pics qui me tuent d'un coup. Fait que là, je vais-tu dans une nouvelle direction? Ben ouais. Une nouvelle direction, c'est comme quand que Choix FM Rock Détente est devenu Rouge FM. Il avait pris une nouvelle direction. Ça avait tout changé, là. Avant, il faisait des affaires, mais après, c'était vraiment plus la même affaire là, qu'il faisait. Là. Il faisait genre le contraire. Avant c'était juste. Hey, dans mon nid, je l'avoir en pleine face. Même dans les airs, ok. Fait que je pense que ça règle notre problème. Ouais. Hey, Chinook. Moi, j'ai mis mon ingrédient spécial, moutruche. Oh! Oh shit, je connaissais pas Roulard. Oh, ok. Chinook est là. Salut Gab Lantier. Merci d'être passé faire un tour. Ah, ben tabarnak. Ok, c'est ça. Moi, je suis pas une moutruche. Ordinaire. Ordinaire ou, tu sais, tout cru dans le bloc quand même. Tu sais, je suis une moutruche. Proudly Mutrush. Ah, là, il s'est. Ah, boy, oh boy. C'est un petit peu comme Guacamelee, là, finalement. Sur le masque, moi, je suis Mutrush all the way. Bah, sur le masque. C'est ça, écoute. Je veux dire, moi aussi, c'est un petit peu ça, ma limite, là. On peut le critiquer, le gouvernement, mais si t'es contre le masque, là, non. Ça ouais, c'est ça. Puis, c'est pas que je. C'est pas que tabarnak de crise de gossage. C'est pas que j'ai l'impression qu'il y a rien à remettre en question à propos du masque. C'est que c'est évident que c'est mieux qu'il y ait quelque chose qui protège. Puis en attendant qu'on aille mieux, ou tu sais, je. Ça diminue. Même si finalement on l'a tout le monde porté pour rien, c'est pas grave. Ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas grave. Puis j'en doute beaucoup. Hey, esti, pénis flasque! Ah, les deux en même temps, c'est rough un peu. Ça va prendre quelqu'un qui fait ses recherches. Un rechercheur, on dit. Oups! Non, non, à cette heure, on appelle ça un patriote, je pense. C'est vrai, Oh, Gino! Oh, Moutruche! Fais un bout de ton regard, mais j'étais au téléphone pour la job, bon. Ben ouais, agent de sécurité, l'entier, c'est... Il nous avait, en tout cas. T'as-tu vu, moi... Il y a un de mes amis qui est gardien de sécurité puis qui m'a envoyé une conversation qu'il avait pris le temps d'enregistrer avec deux madames anglophones qui voulaient pas porter de masque, tu sais, pour aller... Puis que là, ben, on va appeler la police, vous portez pas de masque. Puis, il y a un droit de liberté. Pis... Ouais, mais c'est bien, ça. Non, c'est quelqu'un. Ah, okay, okay. Ah, j'en ai vu une madame là, au métro Longueuil l'autre fois là, qui avait son esti de papier là, puis qui attendait l'agent de sécurité de pied ferme avec ça. T'en as-tu vu beaucoup de papiers avec ça? D'après moi, c'est un espèce de un papier signé QAnon là, ou quelque chose de même. Puis, comme. Ouais. Un papier de maturité officielle. Ah oh, ouais, de droit. Mais pourquoi je retombe sur mes droits? Sur mes droits. Sur mes. Non, mais là, j'aime pogner le dash. J'essaie-tu de retourner là-bas pour mon temps? Oh, oh, oh.
T'sais, ben oui, c'est toi, mais je voulais pas. Je voulais pas faire chier quelconque secret professionnel qui aurait pu. Pourquoi là je recommence plus juste à côté? Alors je recommence. Mais au moins, il est son nickname de ninja, fait que tu sais, là, il y a personne qui peut le reconnaître quand même. Je suis pas bon. Bon, là, j'étais bon. C'est beaucoup ça dans Guacamelee aussi, il y a des puzzles comme ça. Peut-être que je peux aller voir en bas. Tiens, mon truche de Chris. La cigale ayant PC usé tout l'été. Ah, là, je vais pouvoir me rendre là. Fait qu'en tout cas, on vient de débloquer, puis j'ai l'impression que je suis en train de gosser ici pour un bonus. Puis je suis pas très de type complétionniste, là. Avant, je l'étais plus. Mais il y a beaucoup de jeux à cette heure dans la vie. Hein. Puis, tu sais, c'est ça. Mais je me rends pas. Dans le temps, il y avait Mario Bros. Puis Twister, tu sais, tout le monde s'en rendait là-dessus. Twister! Monopoly. Ah non, je peux pas me rendre là. Oh! Oh! Petit Jérémy! Je pense qu'il y avait un bonus pour voir en haut. Un bonus d'énergie en plus, c'est mes préférés. Non, c'est pas vrai que c'est mes préférés. Mes préférés, c'est ceux qui font que je tape plus fort. Fait qu'on va réessayer une dernière fois. Oh, là, ici, je pense que c'est Québec-Opoly, là, quelque chose de même. Puis on le sait, le petit bout qu'on reviendra. On pourrait situer même à un jeu de société à un moment donné. Québec-Opoly ou ben Justin Bieber, le genre. Ah ouais, ouais, ouais. Ben moi, ça serait Trump, le game ici, que j'aimerais essayer. Ça a l'air d'être un Monopoly cheap en est. Ah ouais? Tu l'as ouvert, hein? Non, ben oui. Je l'ai déjà ouvert. Une fois, mais en 2006. L'autre fois, j'écoutais South Park, puis dans South Park, à un moment donné, il dit le gars il réalise quelque chose, puis il cite le président, tu sais, puis il cite ce que Donald Trump aurait dit dans telle situation, puis ça sonnait exactement comme ce que Donald Trump aurait dit. Dans... Je pense qu'à ce moment-là, il y a un problème quand même. Quand... Ils sont efficaces en parodie, les gars de South Park, par contre. Fait que ça c'était pogné. Ok, je vais retourner à la place où j'ai l'impression qu'on vient de débloquer. Là. Si vous êtes pas content, ben allez faire vos recherches. Ben, j'espère que je peux retourner à la place. Mouche de Chris. On l'a eu là, je suis là. Yeah, les moutons. Ah, ah, ah! Si l'eau était seulement empoisonnée. Ben, ça fait un an hein, qu'on était en élection. Ouais, ben, on était en élection. C'est le 3 novembre, je pense que. On était bien dans ce temps-là. On faisait des clips. On savait pas qu'on était des moutruches. Ah, c'est sûr que 17 jours pour me rendre chez Benzé. Ben, je me souviens par exemple que le 3 novembre, c'est la journée où c'est que j'ai fait mon marathon des bureaux de vote. Parce que j'ai couru tous les bureaux de vote de mon comté. Le premier candidat de l'histoire du Canada. Recensé, en tout cas. Recensé. C'est une très belle activité. 8 heures de course. Et puis, je me souviens que cette journée-là, il faisait absolument très beau. Une très belle journée. Fait que,
On a encore des semaines de beau temps devant nous. Ah ouais, ben ouais, des beaux souvenirs. Tiens, je vais allumer ta lumière. Peut-être que tu peux mettre la lumière qui est juste en haut de toi pour donner un feedback. Mesdames et messieurs, le glorieux Blais-le-Duc Chinook qui a accepté d'être demain sur notre spécial terrain basique. On se demande, on enregistre le 100e épisode de Terrain Basique. C'est capoté comment ça va vite. Ça fait 2 ans qu'on a commencé ça. C'est vraiment un projet le fun. En tout cas, j'aime beaucoup la communauté de Magic qu'on a développée autour de ça. Puis le reste. Ok. Les ronces et les moustiques et les limaces baveuses. Celles-là, je les déteste quand on y réfléchit. Pas mal de choses. C'était pas pareil. Avant, c'était pas pareil. Non, c'est vrai que c'était pas pareil. Hein. Chien qui a trouvé la lumière rouge, tu peux la mettre de la couleur. Ouais, rose. Mais je voulais la mettre orange, je pensais que c'était orange. Ça peut bouger, c'est pas grave, il y a pas de green screen. Aïe, je suis pas bon. T'es pas mal mieux de même. Moi, Pinook. Ben ah oui, ouais, hein? C'est sûr. La roche à m'a écrasé. Ben oui. Ah, c'est voilà, ok. Peut-être qu'avec le haut, il a l'air d'avoir comme quelque chose de caché. Il y a quelque chose de... Arrête! Il y a quelque chose, je te le dis, moi. Le registre de mon nom est public au BSP. Ben oui, mais je veux dire, je sais pas, là, peut-être qu'il y a comme de l'éthique de travail, de confidentialité pis tout. Là. Hein, Chinook? Je sais pas, à ce temps, je pense que c'est pas mal permis de... D'avoir une opinion, même quand t'es gardien de sécurité. Ouais, ou de pouvoir mettre des discussions sur l'écoute. Ok. Je pense. Ben oui, là, c'est des raconteurs aussi, là, c'est... Bon, ouais, on est loin de... Puis tu sais, je pense que si on avait pogné, mettons, un Michel Richard déblatérer ses conneries sur le masque, puis le. Je pense qu'on aurait. Le Québec mériterait d'être au courant. Comme Michel Richard, la grande dame, là? Ben ouais, j'aimerais ça, moi, voir l'entendre parler sur le masque, puis tout. Ça serait intéressant. Édifiant. elle aurait sûrement une opinion. Mais là, j'étais venu partout ici, j'avais tourné la cossin. Il y a peut-être ça qui est un peu poche, par contre. J'ai l'impression que il pourrait avoir une marque dans la map qui dise que ça, ça a changé. Ben, je pense que ça avait enlevé l'eau. Fait que je suis peut-être en train de chier. Hey, ça serait impossible. Ah, voilà. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles de Michel Richard? Ça fait longtemps, j'en ai pas entendu parler. Ah! C'est comme ça. Coïncidence? Je sais pas, c'est peut-être, tu sais. Ah, j'aime ça comment tu penses, là. Puis, si tu replaces les lettres du nom de Michel Richard, ça fait Bill Gates.
Coïncidence. Vous allez pouvoir, moi je la garderai pour moi, Michel. La grande dame. La reine. La reine. De feu TQS. De 4 saisons. La reine de 4 saisons. Ok, bon, ben ça a l'air d'être parlant en esti. Mais anyway, avec le move que je viens de débloquer, on a tout ce qu'il faut. Yes. C'est que je suis bon, hein? T'as-tu vu ça comment j'ai sauté partout pis tout avec la victoire, du courage, les Pokémon pis tout, tu sais, ici. Et le voilà! Hey. On y va, man. À l'aventure! Pas mal cute, hein, comme jeu. Ah, quand même. T'es-tu déjà comme rendu l'hiver? Non, là, on est l'automne. C'est ça le mot. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça dure 3 mois ici à Montréal. Oui. Quand même, septembre, octobre. En Abitibi, l'automne, ça dure. Du 10 septembre au 10 octobre, puis là, après ça, des fois, je m'ennuie pas de ça. J'aime bien gros la ville de Rouen, mais l'hiver, je suis plus capable. J'ai pas ça. Hé, il est gros, lui. OK, fait que... Ben, j'espère que... Oh, ben voilà, il se déplace en sautant, merci. Ah, j'espère que ça te fait faire des recherches. C'est pas bon. Fais ton special move. Ah, ok, c'est parce qu'ils sont par-dessus à la fin. Je me demandais, c'est. Bon, ben, on a pas mal trouvé comment là, il va sauter une autre fois. Là, j'ai le temps de taper dedans. Allô? Oh, mais non, mais là, c'est un jeu qui bug! Dans mes erreurs les plus. Oh! Ah, ben, ok. J'ai sorti, puis je vais rentrer. Puis... Un peu plus, t'allais pas pouvoir prouver que t'étais peut-être bon. Ah, moi, écoute, la quantité de recherche que j'ai faite, je suis ok. C'est ça, ouais, mais t'as plus beaucoup de secrets pour nous, là. Une fois, là, il va ressauter une fois. Tard, 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 tard. Tard, tard, tard. Ah, t'as eu pareil, hein? Ouais, mais c'est parce que j'ai regagné mon énergie. Parce que j'ai une magie, là, ça s'appelle Fais tes recherches. Puis. Ce serait quand même pas un perfect. J'étais loin du perfect. Mais c'est vrai que depuis que j'ai compris le pattern, ça va. Oh! Un petit dernier. On aurait pu être des amis, j'insiste.
fois, j'ai réécouté la grande aventure de Bilbo le Hobbit. Ah ouais, non, ouais. J'ai travaillé fort pareil, pour ça, mais j'ai été déçu par la fin. Le 3, en fait, en général, la grande bataille des 5 armées. Puis je trouve j'avais... Oh, été... la trilogie, ouais. Là, de récent, oh! Ouais. Non, oui, ça spin à un moment donné, là, ça a plus rapport. Non, c'est ça, puis... Ça aurait dû faire ses recherches. Ouais. Puis on dirait que c'est comme trop faire les batailles dans les films de ouais, oh, le gars qui a fait ça. Là. Ouais, de Tolkien. Ouais, ben... Non, Peter Jackson. Ouais. Les batailles sont trop enfantin, genre. C'est trop facile. Tu sais, ils font juste... Y a juste les méchants qui se font blesser tout le temps. Ouais, puis c'est super facile. Le gros, les orcs sont nuls, genre, ils se font péter la gueule par tout le monde. Ouais, effectivement. T'as le petit Hobbit dans la grosse bataille, il se promène puis il slash tout le monde, il en tue genre une vingtaine à lui. Ça n'a pas rapport. Effectivement. Je sais pas combien de levels il a gagné, là, mais... C'est quoi le problème, Chinook? Moi, je te dis, ça finit par recherche. Ah, il faut faire ses recherches. C'est ça. Peut-être que Peter Jackson n'a pas fait assez. Puis là, c'est nous autres qui payent collectivement. Ah, les bonhommes, les méchants, là, ils ont des grosses full plates aussi. Ça, d'épais, ça appelle. C'est pas ouvert, c'est ouvert nulle part aussi. Puis le petit Hobbit qui vient trancher ça à coup d'un et. Oh là là! Mais oui, c'est vrai, t'as raison. Je me rappelle aussi que les nains, tu sais, que ce soit une armée, là, ils sont comme 12, puis ils sont presque tous en base. Je sais pas c'est quoi des nains, mais en tout cas. Mais sinon, le 1 puis le 2, j'ai trouvé ça intéressant. Je trouvais ça correct. Puis le 3, non, pas passé. Ouais, ça devenait fatigué aussi pas mal. C'était le fun quand il y avait le dragon, là, les shots dans le lair du dragon. Appuie longuement sur elle, près d'une lanterne, d'un projectile ou d'un ennemi, puis oriente ton saut. Les projectiles seront redirigés. Ok, ok. Ah, c'est pareil comme dans Guacamelee, ça. Capable. Ben là, c'est sûr que ça, c'est le ah, par en haut. C'est le voyons, Westy, dis-le, le tutoriel, quoi. Ça me fait chier parce que dans Guacamelee, fallait que tu tires comme un sling, fallait que tu pèses, mettons, vers le bas, puis là, ça t'envoyait vers le haut. Mais là, il faut juste que tu pèses la direction vers laquelle tu veux aller. Puis, obviously, ça. Et voilà. C'est ça qui vient de se passer. Donne-moi-en des cadeaux aussi. Ah, ben là. C'est le fun, pareil qu'on gagne beaucoup de moves de mobilité, ça me va. Mais là, toi, c'est-tu parce qu'il faut que je poignale là? Alors, je m'en rends pas. À toi d'abord, qu'est-ce que tu fais? Pas être obligé de... Oh! Lives in a pineapple under the sea! Appuie longtemps sur L après une lanterne. Choisis la direction de ta frappe. On va essayer d'aller en haut, ça. Ben, j'aime beaucoup ça discuter.
rendu une affaire de. Parce que me semble que ça devient précis pas mal de y aller analogue. Puis, c'est quoi, t'es en train de nous monitorer là, Chinook? Ah, oh, rien. Hein? Oh, je l'ai eu. Il y a Conor McGregor qui veut se battre contre Pacquiao. Encore? Non, il s'était battu contre Mayweather. Ah oui, c'est vrai, puis il avait perdu beaucoup. Ouais, ouais, mais ça fait plus de sens à un moment donné. On dirait que McGregor, c'est... il s'est ridiculisé dans sa vie personnelle, puis tout, puis là, il veut pas repartir du top, mais à la boxe, genre. Mais... quand tu le check aller sur ses vidéos, il a l'air d'un boxeur à... amateur de niveau moindre. Ah ouais, hein? Oh, oui. Oups! Bon, fait qu'on vient de... Je suis pas capable de voir le chat, sur le... Le problème qui... Ben, il est là. Yeah. Ça fait longtemps qu'il y a personne qui a écrit. On a seulement 12 amis en ligne. Donc, Fausse Québec qui vient d'arriver. Salut, Fausse. Désolé de ne pas t'avoir salué avant. Mais 12, c'est comme les 12 apôtres là, de Jules César. Là. Ouais, les 12 apôtres de Jules César. Ah. Parce que 12, ça fait 1 plus 2. Ouais. 3. 3, si on peut pas le diviser, tu sais. 3, c'est comme l'univers, là, tu sais. C'est Vigny, c'est ce qu'il dit. Là. C'est vrai. J'aime ça comment tu penses, Gino. Je trouve que tout se tient. Ça, on dirait que. Je parlerais de recherche, puis. Tu vois ce que je veux dire? Ah, moi, je suis sur Sylvigny à fond. Check, moi, ma date de fête, c'est le 21 septembre 89. 21, 2 plus 1, 3. 3 fois 3. 9, 9 septembre. Tu sais, septembre, c'est le 9e mois. 989, c'est comme 9, tu sais, à l'infini, genre. C'est vrai, c'est vrai. 1 infiniment 9. C'est vrai. 3, 9, c'est ça pareil 3, comme 9, 9 à l'infini. 989, c'est comme 9, 8, 9. 9 infini 9. 9 3, 9. Qu'est-ce que c'est vrai, je suis 3 fois 3, 9. C'est tout est. Ouais. Tout est réglé ici. Fait que je pense qu'il nous aide un petit peu aussi avec les endroits où on réapparaît. Comme là, je viens de réapparaître plus vraiment loin, mais en même temps, j'étais rendu trop loin. Fait que si j'avais continué, j'aurais peut-être eu aucun indice me disant que j'étais rendu trop loin. Et quand t'es rendu trop loin, Naonak, as-tu vu, gars? Tu veux, gars? Ah, c'est pour toi, ça, Chinook. Cette belle bourrasse-là, là, est toute pour toi. C'est l'univers qui l'envoie. Ça fait 2-3 personnes qui me demandent d'autres soirées de films. Oh, faudrait qu'on monte de quoi pour vendredi, là, Chinook, peut-être... Ouais, mais moi, j'ai une game de donjon, je pense qu'en est. Ah! Mais moi, ce qui m'intéresse, là, ben gros, c'est le film de Tarzan avec vieux Stuff Lambert, là. J'ai trouvé, en plus. Un spécial là. Vieux Stuff Lambert, mais quand tu vas être disponible, là, ça, t'es super ouais, occupé et tout. Ouais, j'avoue, c'est dans cette mêlée avec le patente de 28 jours. En tout cas, On verra. Parce que je pense qu'il est long en plus, ce film-là. Tarzan. Un nouveau fragment spirituel. Utilise-le pour que les tirs de l'arc spirituel se divisent en projectiles plus petits. Ah, ça pourrait être drôle et tout, des soirées Tarzan. Hein? Une soirée Tarzan, mais l'émission. Hein? L'émission de Tarzan. Ah, oh, ouais, ben toutes les Tarzans à Ria. On pourrait faire ça, ouais. Il y en avait beaucoup de ça, me semble. Mérité, ouais. Inflige les dégâts subis. Réduit les dégâts. Il me semble que je meurs souvent pour enlever l'affaire qui fait que j'ai moins mal. Ça grimper ses murs, on s'en fout un petit peu. J'espère qu'il y a moyen d'en équiper plus à un moment donné. C'est tout à fait cruel, ça, la limite de patente. Que... bon, mais fuck it. On va arrêter d'attirer les affaires, puis je vais voir à quel point. Ça change le paradigme. De 3 saisons. De Tarzan à la télé. Ah, ça ne m'intéresse pas. Oh, le chignoc.
pense que t'étais pour nous monitorer Atalante, là, ou le docteur Raoult, c'est mon nouveau préféré. Là. Ah ouais, hein? Ouais, c'est lui qui est full pro hydrochloroquine, là. Même si ça tue des gens, il paraît, là. Anyway, moi mes recherches, là. Oh! C'est fait, là! Écoute, Je sais pas, oui, si le monde veut le regarder des Tarzans, on pourrait lui mettre des Tarzans. Ouais, mais y'a personne qui veut regarder ça. Ah oui? Hey, la loi de la jungle, le puits de la mort, les fugueurs. Les fugueurs, hein, Chinook? Ouais, c'est des noms d'épisodes. Ouais, ouais, j'avais. Écoute. L'héritière diabolique, il y a plein. Au chevet de Sheila. Pas sûr, mais je pense qu'il y a à peu près 25 épisodes par saison. Ah, ça m'intéresse pas. De 30 minutes. C'est. Ah! Ah! Puis à chaque fois, il sauve la jungle. Ouais. Ah! En fait, c'est 22 minutes. Ben oui, c'est sûr. Puis à la fin, ça finit que c'est comme si c'était rien passé à chaque fois. Hein. Mm. Point d'un, point, point d'un, point. Là, il cite, c'est là dans l'eau qu'il faut qu'il crache. Hey! Greystoke, la légende de Tarzan. Je sais même pourquoi j'ai dit arc, là. C'est juste con. Les 130 minutes. Ah, ça, c'est le film avec vieux stuff, là. Ouais. Vieux stuff Lambert, le plus grand acteur de sa génération. Point. Bar none. Richard Griffith, mais ça, on le connaît, Richard Griffith. Ah ouais, hein, c'était le premier rôle de vieux stuff Lambert en anglais. Ah ouais! Ils ont donné le rôle d'un sauvage, comme ça son anglais était parfait. Ah, sacré Christophe. Tu y penses-tu des fois? Ouais. Mais est-ce que tu y penses vraiment des fois? Oh, ouais, hein? Dans la version américaine, la voix d'Andy McDowell fut doublée par nul autre que Glenn Close. La grande Glenn. La Glose Glenn. Ah, ouais, hein? Insatisfait du résultat final, le scénariste Robert Towne utilisa le nom de son chien, Pierre Varzac, pour être crédité au générique. On écoutera Forteresse aussi dans notre soirée avec Christophe Lambert. Ouais. Ah, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, ce film-là. Deux, là, tu sais. Ouais. C'est un film de prison plate. C'est les films les moins le fun, les films de prison, je trouve. Wow, tu sais que ça, les beaux dessins, hein? Ouais, ben le respawn que j'ai fait, là, que je suis retourné en arrière, pis que... Yip, bateau! Oh, shit! Il est laid, là! C'est quoi, je donne un bec, pis ça devienne beau? Qui avait donc raison? Je voulais y croire, cela fait si longtemps. Fait que j'étais un esprit pour vrai.
que tu cherchais ton ami, une petite chouette, loin d'ici à l'est. On jase. Il est là l'ennemi, l'ennemi, il est là. Il est là l'ennemi, l'ennemi, il est là. Le bois du silence. Hey, donne-moi quelque chose, tu sais. Un fragment de la... Bon, ouais, ben, je suppose que ça peut être cool. Ça fait-tu mal, ça? Il traînait un fragment de lumière. Sa voix te guide à travers ces terres dangereuses. Ben, merci bien, c'est cool. Je suis la voix de la forêt. Voilà bien longtemps que je n'avais pas vu l'un des tiens. Là, tu es en train de lire sur vieux stuff Lambert, je suis là. Ouais. Dans son second paragraphe sur Wikipédia, ça commence par échec successif, année 1990. Puis je veux dire, des années 2000, c'était pas. On n'a pas comme. Ah, ils disent diversification, années 2000. Ouais. Nouveau feu follet, trouver voie de la forêt. Ah, ok. Là, j'ai pogné la voie de la forêt. C'est tout pour être schizophrène. Fait que je continue dessus, non? Il me disait de virer de bord, je vais essayer pareil. Là, je peux refaire mes moves. 3 games Mana Screw, 1 game Mana Flood. Wouah, bouh. Bouh. Oh, ouch, 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 ouch. Ben, hamster, une collection d'hamsters. Les eaux sont souillées, on ne peut pas pêcher ni nager. Oh, mauvaise, mauvaise eau. Oh, Sally! Le moulin s'est arrêté, c'est pour ça que l'eau stagne. Ok. Fait que je. Et on dit ça pour que. Ok, je vais virer de bord. Vous m'avez convaincu. On va aller fouiller. Ben, je sais pas, en fait. Je sais pas s'ils m'ont convaincu. Non, mais là, j'étais venu ici. Au, au, au! J'étais venu ici aussi. Oh.
Et voilà. À la gang, dans le fond, ils ont tassé le levier. Merci. Bon, là, autre chose. Moi, Arena, écoute, ben de la misère. Je trouve que tout le monde est comme mardeux sauf moi. Je sais pas comment dire ça. Il me semble que je pige pas mes rares. Mais peut-être, tu sais, hein, c'est la faute du jeu. Je sais. La manette est brisée. C'est ça. Bon. Ah, il m'a trouvé une carte. Si ça va bien, on avance bien dans le jeu. Je suis très content de débloquer. Je vais en profiter pour aller pisser. Et Chinook, s'il te plaît, peux-tu nous parler de la vie amoureuse de vieux Stuff Lambert? Ah, ben, il y a une grosse nouvelle sur la. Ben oui, elle est assez remplie, la vie amoureuse de Christophe Lambert. Hein? Je pense que c'est comme ça. Tu vois, justement, il y a un paragraphe sur son Wikipédia qui commence par vie privée. Fait que je pense que. Il aurait été marié avec Diane Lane. C'est un nom, d'ailleurs. Je sais pas c'est qui. C'est ça. Après ça, de 2007 à 2014, hein? Ah, là, c'est là. Que là, ça se passe, il a été avec Sophie Marceau. Ah ouais, Sophie Marceau, aussi, la belle Sophie Marceau. Ah ouais, elle a mis sa langue dans la bouche de Christophe Lambert. Ah! Correct, un droit, écoute, en 2007, en plus 2014, c'est pas les belles années pour Christophe Lambert, et pourtant, il a réussi à frencher Sophie Marceau en maintes reprises. En 2018, il partage la vie avec l'actrice italienne Camilla Ferenti. Qui est Camilla Ferenti? Aucune idée. Ce qu'on sait à date, c'est qu'elle est de 22 ans, sa cadette. On va aller voir c'est qui. On va voir si on a de l'information. Oh, on n'a pas d'information sur Camilla Ferenti. Qui est Camilla Ferenti? Moi, juste de même, Camilla Ferenti, actrice, 22 ans, plus jeune, sa cadette, ça sonne un peu comme actrice de femme pour adultes. Et c'est comme ça, je vais faire des recherches. Okay. Mais c'est ça, lui, en gros, il a mis sa langue dans la bouche de Sophie Marceau pendant 7 ans. Durant les années mi-2000, en plus, 2007 à 2014. Ça, c'était les... Les pires années de Christophe Lambert. Ah ouais, c'était pire que les années 90. Ben, au moins dans les années 90, ça faisait quelque chose. Ah, écoute, ça va. Non? C'est comme ça? Moi, je l'ai connu pour sa carrière des années 90. Les belles années, vieux Stuff. Moi, enlève-moi les années 90 de Stuff. Je connais pas Stuff. Ah, désolé. Ben, son meilleur film, ça doit être encore. Mortal Kombat? Ouais, Dark. Il y a du monde de même qu'on vient qu'on sait pas pourquoi. Ah non, mais c'est là-dedans que son rire est le meilleur. Ça, c'est sûr. La biographie de Camilla Ferenti. Qui est Camilla Ferenti? Alors, elle a l'air d'avoir un beau tailleur. À hauteur des épaules, genre? Moi, je parle juste de, en tout cas, en termes de mode, là. Ouais, enfin... Ah! Je t'en ai un peu, là. Bon jeu. Chris, ça bug quand même légèrement souvent. Hein? Bon. Au moins, juste de sortir du jeu, ça nous permet de repartir. Peut-être plus bas. Et là là. Il a l'air heureux avec Christophe Lambert, en tout cas. Je n'en donne jamais assez. Là, on va l'avoir.
Ah! C'est une affaire personnelle, là, ça. Mais bon, c'est pas quand même pas une petite jeune, là, elle a 41 ans. Ben, à un moment donné, il est quoi? Il a 65, 66 ans, là. Ben, s'il a 22, donc lui, il aurait 60... Ben, mon esti. Ah, ah, ah! Bon, moi, j'ai trouvé comment faire. Il aurait 63, notre vieux stuff. Vieux stuff a 63 ans, hey, hein? Yeah! Vous l'avez entendu? À Douteux TV, est-ce-tu? Hey, bienvenue aux nouveaux amis qui viennent de nous rejoindre. On joue à Ori and the Will of the Wisp. Et je suis avec Chinook. Chinook, ça cherche des sujets à monitorer. Si vous avez... Là, il est en train de crever une bulle sur vieux stuff Lambert. Hein. Ouais, c'est les idoles de jeunesse, hein, Chinook, faut le dire. Ah, écoute, ouais, mais dans ces années-là, n'importe qui aurait eu une épée dans ses mains aurait été mon idole. Ah, voilà. Fait que j'avais un ami qui disait ça aussi, que dès qu'il parlait d'épée dans une toune, il aimait la toune. Ça me faisait bien rire. Moi, pendant longtemps, mon chanteur préféré, c'était Zachary Richard, parce que sur l'image de la pochette, il y avait des cowboys. Ben, c'est un bon chanteur préféré. Ouais, quand même. J'aime bien gros ça, moi, les idéco. Et mon tabarnak. Hey! C'est qui a démoli mon mur? Je sais pas. C'est l'autre, l'affaire qui a pitché une affaire mauve. Hop, ben, Gontran, tabarnak. Viens par ici, laisse-moi te regarder de plus près. J'arrive. Ah, la bonne vieille clairière de la source. Tu sais comment c'est beau. Christophe Lambert, l'acteur au rire légendaire. C'est que j'aime ça. Faudrait plugger peut-être des speakers sur ce portable-là, comme ça t'aurais pu mettre... Je pense pas que le monde en ligne va l'entendre. Non. Ça attendait. Tu vas à la face, ok. Encore aujourd'hui, j'ai de la misère à. Ah, tabarnak, hein, ça. Ça fait sport le temps. On va être ça à un moment donné, nous aussi. Logique, il peut pas m'enseigner ce qu'il sait pas, le savoir des esprits. On dit que seuls les plus observateurs peuvent y accéder, bonne chance. Le savoir des esprits. Ah! Quelqu'un... T'ouvres la porte, tu dis, as-tu fait tes recherches? On va n'importe qui au musée, Chris. On va faire le niaisard. Purifier l'eau, hein, me semble que c'est ma mission. Ça. Ah, voilà, ouais, c'est ça. Salut Grom! Là. Je n'osais pas croire les rumeurs, mais tu es bien là, Niwen. De nouveau un esprit, bon. Le mur ne t'a pas résisté longtemps, mes talents de bâtisseur ne sont plus sacrisés. T'es quoi qu'il en soit, j'ai promis que tu aies un refuge contre le déclin. Le déclin, on dirait un méchant dans le Never Ending Story 4. Genre, c'est clairière contre sur moi. Esprit. Sans minerai, je crains de décevoir le monde. Vibrer devant moi, les matériaux dont j'ai besoin ont été laissés à l'abandon, n'auraient certainement pas dû. Quand les miens se sont réfugiés dans les mines sans matériel, mon rêve de créer un refuge risque de prendre fin. Ben oui, avec du minerai, ben écoute, bon, moi je peux te coter ça, là, j'en ai. Ça vient, ça vient.
On dit qu'avant les esprits pouvaient se téléporter. Ah, cool, il va débloquer des shit. Là. Ces ronces qui poussent partout sont un vrai fléau. Avec un peu d'aide, je pourrais les arracher et rendre les clairières plus sûres pour tout le monde. Ah, ouais, hein, ils pourraient enlever des arbres. Bon, on va se payer ça ici, là, c'est juste un. Il reste peu de vrais gorlecs. Fais attention aux faux gorlecs. Fais tes recherches. Hein, Chinook? Ah, oh, c'est sûr. Vous l'avez entendu. La Fayette ferme à 10, il me semble. C'est dans les... Oui, dans ces moments les plus pires. Moi aussi, j'ai faim un petit peu. Ah, ben, attends un petit peu. Non, non, je vais t'aider. Là. Je sais pas si... Moi, j'en ai zéro, il me semble, j'en avais d'autres. Minerai gorlec insuffisant. C'est là que je viens de commander, puis ferme à 9h. Ah, ok. Ah, Lafayette. Mais Miami d'abord. Prendre un hot dog. Deux hot dogs. Ah, non, c'est bon. Je viens de résister. Je vais aller me prendre un peu de crème glacée quand je vais avoir fini le stream gentil. Une bonne poutine du Miami. Ah, une poutine! Non. Mais si tu prends une poutine Chinook, moi j'en prendrais la moitié. Comme le gorlet qui est un bon bâtisseur, mais bon, oui. Moi j'ai assez de trucs à manger. Client de retour, ça fait toujours plaisir à voir. On parle de plus en plus de toi. J'ai entendu beaucoup de noms au cours de mes voyages. Tu sais, les noms achètent mes fragments brillants et ils s'en vont. Ils se ressemblent tous, ça oui. Et ces fragments brillent encore plus fort quand tu es là, peut-être que ton nom mérite qu'on s'en souvienne. Enfin, pour ça, il faudrait que tu fasses quelque chose de marquant. Veux-tu raffiner? Ben oui, on va raffiner. Là, Martin, il va commander du Miami, j'ai décidé de te pogner quelque chose. Martin, il commande du Miami. Là. Ouais. Viens-tu dire dans la discussion de coloc, genre, je commande du Miami? Ouais. Veux-tu lui dire que j'aimerais ça avoir deux hot dogs? All dress, là. Ah, si, je venais juste de dire que j'en prenais pas deux. Ah, mais heureusement, il n'y a pas de preuve de ça. Y a-tu des hot dogs au Miami? S'il n'y a pas de hot dogs, je veux rien. Je pense qu'il n'y a pas de hot dogs au Miami. Bon, laisse faire. Écris rien. Si c'est pas encore envoyé. Oh là là! Hey, pourquoi? Oh! À date, les modifications, ils ont l'air de coûter cher, en tout cas. Hey! La ridaine, ma tapate alimatou. J'ai trouvé un minerai gorlec. Gorlec, je pense bon. On a
eu du fun à 70% hier. Toi, t'as écouté ça dans le salon, Chinook? Ouais. Ouais, c'était. Ben non, j'ai manqué 70%. J'ai écouté. Ben j'ai tenté d'écouter sur mon ordi, mais le son il était mauvais. Genre, je sais pas, ça sonnait pas bien. Donc, c'était peut-être juste mes speakers à moi. Je sais pas. J'espère. Je me dis, sinon, il y a du monde qui l'aurait callé, puis j'ai checké dans les commentaires, puis il y a personne qui le callait. Ouais, sûrement qu'on aurait entendu parler avant que le son était pourri. T'étais pas tout seul en plus? C'est quoi qui se passe, ça? Si Chinook, t'es en train d'ouvrir les valves. Mais... Graveyard! Draft Ikoria, oui, c'est lui que je fais, moi aussi. J'aime mieux les quick drafts. Avec Omnat, qui c'est tabarnak, hein, c'est grand, ça, ok. La source, je suis là-dessus. Tu veux la grosseur de cette map-là? Mérite au moins une joke de merde. Pourquoi je peux plus m'accrocher après ça? Ça, la source. J'ai bien peur que nos deux quêtes s'arrêtent à cette porte, elle ne bouge pas d'un pouce. Qu'est-ce qu'on va faire? On abandonne-tu, Chinook? Hein? Si t'abandonnes, je sais pas. Faut-tu que tu mettes un masque? Ça va trop loin. Ça va trop loin, tu sais. Ça, là, non. On peut faire bien des affaires, là. On peut nous fourrer de bien des manières, mais ça. Je crois à la pandémie. Je crois qu'il y a un danger, mais de mettre un masque, non. Le masque, c'est juste un plan de l'OMS pour les rengaines. Notre langue pitiale nourrit au time trail. Ouch. Ah, mais l'affaire qui absorbe, finalement, j'aime ça. De la glande pinéale nourrie au chemtrail. Non bio. Non bio! Des chemtrails... Oh, man! Des chemtrails artificiels. Arc. Artificiel. Le gouvernement... Des chemtrails au Monsanto. des chemtrails au Monsanto. Et puis ça fait peur pour vrai, Monsanto. Ben oui. Ça, on va dire ce qu'on, comme dirait l'autre, là. Au! Ben oui, mais Chris, tu vois bien que je suis un pic! Des chemtrails au Monsanto, Chinook. Bon, on est peut-être pas mieux. On est peut-être mieux de pas mettre Monsanto là. Ben. C'est un des fabricants de chemtrails. Peut-être des chemtrails, je sais pas. Pédosatanistes.
Nourri au, une glande pinière nourrie au chemtrail pédosataniste. Est-ce que c'est hey, qu'est-ce que je fais là? Ah ben oui, il va pitcher des shit là. J'ai dit tu vas pitcher des shit là. Ah, t'es juste en pas d'abord. Ah ah! Pénis! Ok, je pense qu'il faut que j'aille dedans. Ah, je viens de comprendre. Une chance que j'étais intelligent. Sinon, je pourrais comme mourir plein de fois pour rien. Ah! Ah! Enfant, génocide, communiste, Trudeau, Legault, Arruda, Game Over. Quoi? Une CN des pancartes. Trudeau, Legault, Arruda, man, c'est la. Trafic, enfant, génocide, communiste. C'est quoi ça? C'est. Je sais pas, c'est une vidéo que. C'est toute la même affaire. Trudeau, communisme, Legault, trafic, enfant. Ah, oh, c'est un clip? C'est un bon temps, ouais, c'est un clip avec. Les vaccins, allez faire vos recherches. C'est ça qu'il a dit. Ouais, ben tu m'as convaincu, je vais nous acheter des speakers pour ici là, pour que les personnes qui monitorent puissent. Ben, je veux pas sortir, je veux réussir la quiz. Intrinsèque à toi-même. Intrinsèque à toi-même? Que ouais, ouais, ouais. Le corps humain est intrinsèque à toi-même. Ça a l'air de valoir cher la ligne. Ça tue 2500 enfants par jour. Mais ouais, dans le système. Ouais, faut absolument arrêter ça rapidement. Infliger des égaux ou des ennemis qui te touchent. Ça peut être cute. Parce que les masques et le World Trade Center, c'est le même combat. Ah! Ouais. Ben, c'est nouveau ça? Ouais, parce que c'est une continuité. C'est le même combat. C'est le même combat.
Ouais. Ça part de là. le masque, ça part du World Trade. Calliste de style. Ah, mais c'était génial, ça. Faut que tu m'envoies, ça, faut que tu le mettes sur douteux. Ouais. Là, je suis pas responsable de rien, hein, si on a des menaces ou des... Mais tu peux me l'envoyer aussi, je veux, en privé, je veux faire sûr de pas l'échapper dans une craque. Ouais, quoi? Ouais, ouais. Voyons, tabarnak, qu'est-ce que c'est de... C'est tout des jeux qui buguent, man. Hein? Si je suis... Faut plus faire ça, genre, faut plus acheter les jeux quand ils sont neufs, faut l'acheter après le premier update. Ouais. C'est vraiment weird. J'aimais ça au début, la notion de, ben, j'aime encore ça beaucoup de pouvoir acheter des jeux, puis de pas avoir d'affaires solides, là, de... Ils sont tous dans ma console, je fais juste comme, tu sais, j'ai pas besoin de me lever, d'aller changer le jeu, puis... Mais en tout cas... Il y a une éthique de producteur de jeux qu'il va falloir à un moment donné. Là. Ah, puis il y a du Steve l'artiste hein, dans ton shit. Ouais, un peu, ouais. À un moment donné, il avait collé qu'il allait prendre une pause, se retirer pour repenser à lui-même, là, ouais. Se centrer. Puis là, deux jours plus tard, il revenait avec un autre site. Ben ouais, mais il s'ennuyait d'avoir le... Il veut pas des likes de même, ça te donne de l'endorphine, je sais pas. Puis avec ça, tu fais l'amour à ta blonde comme faut, tu sais. Surtout que c'est l'ex numéro 2 de la meute, là. Fait que genre, tu sais, si t'as plus de like de tes conspires. Je savais pas ça. Il y a, ouais, il y a Mayo aussi. Il était... Non, Mayo, c'était dans Storm Alliance. Oh, bon, là. Il y en a un autre, je pense, c'est Talente, là. Pas trop. Ça se faufile, hein, ces petites bébites-là, hein. Ça... Tout pour faire parler de soi. Hey, je suis monté de 3 à 7% en avance. Toi, t'es un petit plus la Talente ou la Storm Alliance? Hey, salut Dodila. C'est quoi la différence? Moi aussi, je joue et le jeu plante une fois de temps en temps. Ouais. Bon, ouais. C'est quoi la différence entre Talente et Storm Alliance? On n'a aucune idée. Tu sais qu'à Talente, il paraît que ça viendrait plus de Montréal. Genre. Ah, bon. C'est pas le même genre de recherche. Non, petit mot. Oh! Storm Alliance. Vinegar Chips, c'est Steve qui vient de se joindre, yo guys. Ça me donne le goût de manger des chips au vinaigre. Je sais pas c'est quoi qui se passe. Salut Vinegar Chip! Ben oui, d'ailleurs, non. Pourquoi faut se jouer en ligne, ça? Je comprends pas ce qui se passe. Peux-tu comme juste jouer? Bon. Oh! Oh! Dans tout cas, ils ont une page Wikipédia. On peut aller voir. Atalante? Storm Alliance. Alliance. Je pensais m'en partir une page Wikipédia. Toi aussi, tu serais dû. Bon, moi, je vais attendre que quelqu'un la fasse pour moi. Il me semble que ça fait prétentieux. Tout le monde a son wiki à ça. Ouais, peut-être. Pour moi. Ah!
faire des recherches par la gauche. Ok, c'est parce qu'il faut que... Ah, 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 ah! Pénis différé. Ah, ok, le gars qui a fait Storm Alliance, c'est le même gars qui a fondé Soldier Warden. Swordsman? Warden, yeah. Le groupe des nains Any Connection Soldier of. Mais ça a rien à voir. Pour les globos, hein, Naonak pis Vinegar Chip, il me semblait qu'il manquait quelque chose. Fait que tu sais, c'est le même gars qui a fondé les deux patentes, mais le groupe dit que ça a pas de connexion, ça a rien à voir avec ça. Ça a rien à voir. C'est comme, mettons, Fantomas pis Mr. Bungo. Les autres, c'est des ultra-nationalistes qui disent. Hein. Ils disent qu'il y a avoir des immigrants, c'est. Je sais pas, me semble, moi, pour moi, c'est un peu le contraire, hein, mais. Ils disent avoir des immigrants, c'est un peu un suicide collectif. Ah! Ouais, on devrait ben pas ouais. avoir des les nôtres, hein? Ouais, les... Nos, ouais, c'est ça, je comprends pas trop. Mais... On va voir Atalante. Penses-tu qu'Atalante, ils se définissent comme ultra-nationalistes aussi? Sûrement. Ah, ils ont pas de page wiki, eux autres. Atalante. Les références vikings pis tout, là, vu qu'on est au Québec, là, pis qu'ils sont nationalistes, là. Ah, ben c'est ça, mais c'est qu'eux autres sont à Québec. C'est des espèces d'ultra-nationalistes de Québec. L'Internet n'est pas encore rendu. C'est ça. Les autres, c'était à Lacolle, je pense, qu'il y avait... Des Lacolle? Ben, c'était parti à Lacolle. Je pense que c'est parce que le dude qui a parti ça, il devait habiter à Lacolle dans le temps. Puis après ça, il a déménagé à Québec. Puis il a fondé l'autre à Québec. Il me semble que c'est en Abitibi, Lacolle. On s'entend que c'est pas le plus beau des noms de villes non plus. Hey, Vinegar Chip, merci bien gros pour le follow. C'est super apprécié. Maintenant, je te demande ça de même, là. Je vois que ça fait 3 mois que tu t'es abonné à la chaîne pour la première fois et que tu continues à nous encourager. Des soirées de films, comment t'aimes ça, toi, mettons? Si je te demande, toi, Vinegar Chip, qu'est-ce que t'aimerais voir plus sur Douteux TV? Autre que des mamelons de femmes, on s'en fout. Oh, ben! C'est chinois que j'en imagine, t'es dégueulasse. Ça va, on en veut pas plus. Puis la question peut aller à toutes les autres aussi qui sont en train de nous écouter. Moi, j'aurais peut-être plus de coteau. Mais ça, c'est. En tout cas. C'est. On pourrait. On serait dû, là, ça taper une journée de coteau. Mettre un disclaimer. Ceci est une comédie, genre, pour faire sûr qu'il n'y a pas de malentendu, que les gens pensent que c'est en train de sexualiser des mamelons. Non, oh, tu le dis, ceci est un truc artistique qui n'a rien de gay. Je comprends. C'est pas gay. Mais les fois qu'on a écouté, c'est ça que je disais, là, j'insistais beaucoup, j'insistais souvent, mais tu sais... C'est de l'art grec. Non... Ouais, c'est le nord grec. Mais c'est chineux. Mais je suis content que tu sois venu monitorer avec moi, man. Ouais, je pensais aller continuer ma série. Je suis en train d'écouter une série, ça s'appelle Conquistador. C'est pas mal bon. Ça a l'air plat. Non, c'est bon, c'est sur comme l'histoire un peu Christophe Colomb, etc. Tu sais, la découverte de l'Amérique. Mais c'est bien fait, là. Il y a comme de l'action quand même. Puis. C'est comme. Ils en font pas l'éloge, tu sais. Comme ils démontrent un peu. Ils parlent des faits, tu sais. Ils disent bravo les conquistadors, je pense. Ouais, c'est pas très 2020. Hein.
Mais tu sais, c'est comme vu un peu par un d'autre de l'équipage, tu sais, mais qui est juste là, en, comme marin, tu sais. C'est vu. C'est ça. D'un marin quelconque du temps. Ben, vous prenez un grappin! Ben, c'est quand même pas mal bon. C'est après ça que finalement Americano Vespucci, là, ou je sais pas trop quoi. Là. Ouais, Amerigo Vespucci. Ouais, lui finalement, c'était juste un. C'était, on a parlé de lui parce que c'était un bullshitter en fait, le double. Puis c'est juste parce qu'il a été d'un premier à écrire là-dessus. Puis là, il s'est prétendu comme. Il a prétendu être le chef d'équipage, puis d'avoir fait face au pot rouge et tout le tralala, mais c'était toute la grosse bullshit. En fait, c'était juste un marchand qui était sur le bateau. Ok. Ouais. Ouais. Mais vu que c'est lui qui avait écrit, en plus, c'est pareil qu'il y avait plein de fautes. Là. C'était genre un document de 50 pages. C'est pareil que c'est rempli de fautes puis de niaiseries. Puis, mais juste parce que dans le temps, ça se parlait beaucoup. Puis vu que lui, il avait écrit là-dessus, ben. Des rumeurs et tout le. Il est allé faire un tour. Je voulais avoir du Toxic Avenger, mais Tommy m'a conscientisé au mamelon de femme, puis je m'en remets, ben, je me. Ouais, attention. Veuillez garder vos mains sur le bureau. Je cherche désespérément à stream Henri Lafronde. Henri Lafronde. Henri Lafronde. Je sais pas c'est quoi. Quand c'est bien fait des recherches, hein, Chinook? Ah! L'important, c'est de les faire, puis de respecter son opinion. Ah, ouais, hein? Ouais. Des bonnes recherches, bien, bien faites. J'ai fait des recherches, respecte mon opinion. Thierry Lafronde. J'ai fait tes recherches, qui dit Pasqua. Ah, c'est bon. C'est excellent. Les recherches à qui? Les recherches à quoi? Oui, je vais écouter des Power Rangers, mais ça non plus, Tommy, il veut pas. Ah, c'est plate que le Chris. Les Japonais, hein? Ben, les Bioman, j'embarque. Et nous, t'es jamais là, toi, tu t'amuses avec tes amis. C'est sûr. Ben, l'hiver s'en vient. Y'a Gab Blantier qui veut écouter du Henri Dess. Chris, c'est violent, ça. Fragment de cellules d'énergie. Gagne un bonus, Chinook. Mets ça dans ta pipe, la reine. En fait, Storm Alliance, c'est une gang de spray. En tout cas, ils veulent une Finlande blanche. Une Finlande? Blanche, ouais. Puis ça vient de Finlande. Ah! Fait que c'est ça. Ils veulent une Finlande blanche. Il y a du monde au Québec qui manifeste pour qu'il y ait une Finlande blanche. Qu'est-ce que c'est dit? Fait que c'est ça la différence. Ouais.
Il y en a un qui veut la colle blanche. Effectivement. Ils veulent de la colle blanche. D'autres veulent une Finlande. Une Finlande blanche. Ouais. Fait que les deux sont pareils. Il n'y en a aucun qu'on préfère. Ouais. Puis, sais-tu quoi, Chinook? Mmh. On vient de faire nos recherches. Ouais, on vient de faire des recherches. Des notes. Hey, ça, j'ai ça, non. Ah, tabarnak! Les nôtres avant les leurs, là, ça, là. Puis ils se promenaient dans le vieux Québec, puis ils flattaient des canons, là, des vieux canons. Là. Ah ouais, hein? Ouais, j'avais checké ça sur leur page Facebook, là. Ils appelaient ça des vigiles citoyennes, là. Ah oui, puis ils se promenaient dans le vieux Québec, puis ils nettoyaient des canons. Que dans le fond, il y a du monde qui sont payés. Hey! Il y a du monde qui sont payés avec nos taxes! Peut-être qu'ils lavent pas assez souvent. Calistre, je te veux! Vous, parce que dans le temps, c'était un monde-là avait de la misère, avait plus de misère à se trouver des amis, je trouve. Ben oui, Blaster. Avec les réseaux sociaux, ils peuvent se trouver. C'est ça, c'est ça. Ma semble que. Ok. Je sais qu'on va essayer quelque chose. Les recherches se feront pas tout seul. J'aime ça, ça. Quoi? Ah, puis j'ai un ami cuisinier, là. Il s'est fait tester pour la COVID. Il est pas mort, hein. Il a pas eu de... Il s'est pas fait percer sa petite peau, là, la petite... Ah ouais, je comprends. Protège de cerveau. L'affaire... Ouais, ça, c'est pas facile. Ce qui est quelque chose que c'est pas vrai. Pourtant, ils ont fait de leur recherche. Ils sont allés sur un site qui panique. Ben, Billy Gurchip, Thierry Lafronde, le hors-la-loi charismatique avec une coupe de Playmobil puis du mauvais acting français. Juste moi qui me comprends dans mon délai. On sent que c'est des recherches qui ont été faites. Puis moi, j'aime ça pour ça. Hey, tabarnak! Ça veut dire que c'est crédible? Moi, j'avais une vidéo sur YouTube qui expliquait. Le montage était super bon, là, puis les sous-titres étaient clean. Là, il n'y avait même pas de porte dans les sous-titres, là, puis le montage était correct. Puis ça parlait de recherche? Ben, je pense, j'ai pas trop compris là, ce qu'il voulait dire, mais en tout cas, il avait l'air bien au courant. Il avait l'air d'avoir fait ses recherches. OK. Hey, salut Chris Alice. Merci beaucoup. Ouais, c'est... Merci pourquoi j'ai dit merci. Mais oui, c'est vrai que c'est un bon jeu. À date, on pourrait dire que j'ai du plaisir dans mes erreurs les plus pires. Je ne veux pas connaître...
qu'est-ce qui vient de changer ici? Rien. Ok. Ok. Fait que... Je vais aller à la porte, on va pouvoir sortir de l'autre bord. Le stage de la source, hein? C'est comme la polyvalente. T'as connais cette polyvalente-là, pas la polyvalente-là? La polyvalente-là, oui, voilà. La polyvalente la source. Ah ben oui. Le lieu de connaissance. Seulement, c'est là que tu découvres le... Le pot. Le pot. Je connais des recherches qui ne vont pas se faire faire. Hey, est-ce pas bon, tabarnak? Ce qui est cool avec les écoles secondaires de l'Abitibi, c'est qu'il n'y a pas d'école privée. Fait que tout le monde partage toute la même école. C'est vrai. Tout le monde font les mêmes recherches. Ouais. On va aller faire les recherches en 2020. Lesquels? Les nôtres. Les nôtres! Pas les leurs! Non, non. Je me suis dit, le prochain conspi que je vais pogner, je vais lui demander c'est quoi sa job. Puis quand il va me l'avoir dit, je vais lui dire: ah non, mais tu fais pas ça comme il faut. T'sais. Genre, les ouais. autres, ils. Tu sais, le docteur pis tout, ça des mange-marde, mais là... C'est juste qu'il y a juste une opinion. Ouais, c'est vrai, il y a pas de fait. Tu sais, dans ce qu'on écoutait tantôt, là, avec les infirmiers pis tout, là, qui sont... Ils ont le droit à leur opinion, ces ouais. gens-là. Ouais, ouais. Pour garder le débat. Le débat. J'ai regardé, j'avais vu une image l'autre fois, pis c'était comme Amélie Paul, là, genre, qui était dans le... dans une manifestation, pis... T'sais, elle est là, toute souriante, là, t'sais, avec sa petite shape de mannequin, t'sais, pis toute contente de pouvoir avoir son masque, de se battre pour la liberté, t'sais. Pis derrière, il y a une pancarte avec juste 99%, là, t'sais, de gens touchés, ou je sais pas trop, là, t'sais, 99% des gens s'en sortent, t'sais. Ouais, 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 ça sert. Fait que là, elle a souri, t'sais, mais dans le fond, elle sourit sur le fait qu'il y ait 1% de la population qui pourrait potentiellement mourir d'une vague, genre, dans l'espace de 2-3 mois. Genre. Mais tu sais, 1% d'une population de 8 millions, là, ça fait quand même beaucoup de gens. Ben oui, c'est... Écoute, il y a une quantité de... Mais c'est à eux autres de boire du jus d'asperge. Une quantité d'asperge. De manque d'empathie qui est difficile ouais, c'est à ça. Comprendre. C'est que c'est leur problème à ces gens-là parce qu'ils ont pas bu assez de jus d'asperge pis ils ont pas fait le jogging à 6h le matin. Encore de l'empathie. Oui. J'en voyais une parler l'autre fois pis elle disait... elle avait fait bien sûr au début de sa vidéo de dire qu'elle venait de faire son jogging matinal. Pis là, t'sais, elle est en shape, elle est en forme, elle n'a pas peur de ça, elle. Christ de tabarnak, je veux le bonus. Ben, ok, j'abandonne, fuck you, man. Ah ah, j'abandonne même pas! Ok, j'abandonne. Pourquoi qu'ils volent pas? Ça serait tellement moins de troubles.
toi, Chinook, tu t'en fous, hein. C'était de même, hein. On va aller voir. Peut-être se promener un petit peu. Ah oui. Amélie Paul. C'est rendu une référence pour des gens. Mmh. Elle a animé Call TV, man. Ah oui, c'est ça. Tu prends pas n'importe qui pour Call TV. Ah, je suis déjà allé, là. Je pensais que c'était gris, mais c'est plein de couleurs. Oh yeah. Je me demande ce qui a pris à Cossette Trudel pour dire qu'il irait baf. Écoute. Il s'est pensé le. Comme il expliquait, il disait qu'il y a du monde qui le suivent du monde de sa gang qui ont dit que Guilla avait dit à 98.5 qu'il aimerait recevoir un conspi. Fait que là, lui, il s'est dit que c'était lui. T'sais, ça pouvait être personne d'autre. Fait que. C'est de la belle humilité de gourou, là. Pouvait pas. Qui d'autre? Ouais. Ah oui, j'avais vu, il y a une vidéo. Hein. Puis le dude, il disait que Guillaume Lepage avait refusé d'inviter Trudel Denis, là. Parce qu'il était pas. Lui, Ducharme, puis l'autre. Pas assez intelligent, pas assez de bac. Non, et puis il était pas en mesure de faire face aux arguments de Alexis Trudel. Mais... avec ouais, c'est sûr. Les arguments. Fait qu'ils ont choqué. C'est pour ça qu'ils ont pas voulu. C'est ça. C'est pas parce qu'ils voulaient juste pas donner de tribune à Parce que, écoute, il y a tellement de. Les arguments de. Tu sais, puis l'autre fois, j'écoutais un bout d'une de ses affaires, puis il disait que le système financier, c'était de la merde. Puis, Chris, je suis le premier à être d'accord avec ça. Puis après ça, il disait que c'est plein de pédophiles, puis que. Ben là, non. Ouais, c'est ça. Fais mon possible, là, aide-moi. C'est quand ils se mettent à se. S'approprier le mouvement anticorruption planétaire. Ah oui, oui, oui. Ben oui, parce que, tu sais. Parce que, tu sais. J'ai parlé avec Martin, puis avec Jason de Terrain Basique, puis à chaque semaine, on va avoir un profil de conspi maintenant à 70%. On va jaser, on va en découvrir un en particulier, tu sais. Wow. Le docteur Raoult. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de. Simeon Ran, il est dit, ouais. Les gestes sont réfléchis un peu, pas ça, ouais, effectivement. Puis genre, je parlais des. Ben, en même temps, tu sais, parce que c'est un geste totalement à la Trump, là, de dire ça. C'est de créer des divisions. Tu radicalises tes troupes, puis en plus, tu crées un faux débat à propos de rien. Là. C'est du spinage de rien, puis lui, il a fait parler de lui par du monde important, entre guillemets, de la culture québécoise. Puis lui, c'est win-win-win. Il a rien perdu de faire ça. Là. Il a perdu aucune crédibilité de la part des personnes chez qui il faudrait qu'il en perde. Puis, je veux dire, gagner de la crédibilité, c'est tout bad, ce sera la prochaine connerie, t'sais. Parce que tout le monde sait que les pédophiles adrénochromisés arrêteront pas tant qu'on n'a pas des guerriers comme chose. Là, patriotes. Ouais, des patriotes. Ça, c'était très drôle, Chinook, ça, là. Les patriotes, c'est comme ça qu'on appelle maintenant les gens qui font des recherches. c'est drôle, mais c'est triste en même temps. C'est drôle que ce soit ça. Oui. C'est quoi le bon mot pour les choses qui sont drôles et tristes en même temps? Quoi? C'est
C'est pathétique. Ah, ouais. C'est quoi le bon mot pour... fais tes recherches, juste. Pas à te mettre tout cru dans la bouche. Là j't'ai éveillé, là j't'ai assez aidé. Là. Faut que t'en fasses, t'sais. Faut que t'aies mérite. Il y a des informations qu'il faut que tu mérites. Chinook. Toi, parle-moi. Je suis un explorateur. Moi, oui. Enfin, je le serai un jour. Je suis venu jusqu'à la source pour commencer mon exploration, mais ça ne se passe pas très bien, veux-tu un coup d'épée? Il me faut de l'équipement, des outils, de la nourriture et quelque chose pour transporter tout ça. L'exploration, c'est difficile. Oui. Moi, je connais quelqu'un, là. Il fait de l'exploration. Là. Il a la même opinion que toi. Allez. Tu dois me perdre. C'est un peu drôle. Hier, on a eu un invité à 70%. Je pense qu'il était... Il n'y avait pas la même opinion que nous par rapport au COVID. Puis lui, il appelait ça une fumisterie puis un chaud fumé. On va changer de sujet. Ça, Chinook? Ouais. Comme ça que tu fais du ménage. Ah ben, ce vieux moulin est un vrai labyrinthe, mais c'est pas le moment de traîner, la route est encore longue. Des connaissances à découvrir, et toi, tu as un moulin à décoincer, une amie à trouver, si j'ai bien compris. Moi, ça, tout le monde est au courant, c'est-tu? Mais tout le monde sait, il est où mon hibou, mais tout le monde sait que je cours après. C'est pas ce soir-là qu'il a fini 24 onces de Jack qui est tombé dans le Beef Eater. Écoute, c'est épuisant à faire ces recherches, hein, Chinook? Ah, ça demande du temps, internet, puis de la PCU. Ben ça non, la PCU. Je pense que s'il n'y avait pas eu de PCI, la fameuse deuxième vague, elle serait peut-être arrivée plus tôt, puis il y aurait eu pas mal plus de monde. Bonne question. Ben, si le monde n'a pas le choix de sortir pour aller travailler. Imagine, aux States, ils ont eu genre 2000$ au total. Je fais de la recherche. Ouais, mais aux États-Unis, c'est pas des motruches, eux autres, hein? Mais non, ils ont élu Donald Trump qui pense à lui d'intérêt. Ouais. Le dernier guerrier des. Un héros du peuple. Ah oui, ben oui. Sinon quoi? Ok, ben, fait que là, peut-être qu'il fallait que je vienne ici. Hein? En plus, il l'a dit, là, sur les changements climatiques. Ça va se refroidir. Ça va se refroidir. Nous autres, tout ce temps-là, on pensait que c'était une crise planétaire d'urgence, pis étonnamment que je suis pas venu à la bonne place. Hein. Pis lui, man, il arrive avec la solution demain. C'est ça, les grands leaders, hein? Ça panique pas.
Sauf souvent Christine, un qu'on a vu paniquer souvent en public. Oh wow! Wow! As-tu vu ça toi, la full rotation? Ça ferait un bon téléroman, ça, je suis sûr. Suis deux moutruches là, dans leurs activités quotidiennes. Moutruches m'en vont. Ouais. Font des affaires de moutruches, là. Écoute, des fois. Sinon, ben, j'écoute, c'est un cyborg lancé par l'OMS pour nous faire à croire que l'OMS, c'est des méchants. Mais il va y avoir un John Connor, ça se peut, hein? Avec un permis de menottage qui va venir sauver le monde avec des boules à Lucie Laurier. Pis des boules à Lucie Laurier, là, il y en a deux. C'est même pas vrai, ça, c'est un... C'est Big Pharma. Ouais, c'est même pas vrai. C'est du Photoshop. Les boules à Lucie Laurier, c'est du Photoshop, c'est excellent. Les épandages quotidiens, hein, c'est ça qu'elle disait. Peut-être que je suis pas obligé de tirer sur un... Ow! Ah ben, Martin Godet! Godette qui s'est commandé de la grosse poutine au sperme de chez Miami. On y en well souhaite une bonne. Miami. John Connas, c'est bon. Le mythe de Big Pharma. Vous manquez le débat Trump-Biden. Là. J'ai jamais vu ça. Ça fait, oh, c'est en train de se faire là? J'ai quoi? J'ai 18 ans. Ça veut dire que ça fait 28 ans que je m'intéresse à la politique. J'ai jamais vu un débat de même de même. Ah oui? Quand Biden a son 2 minutes, là, Trump, là, il essaie de c'est 2 minutes sans... Ouais, t'es supposé que tu donnes 2 minutes à l'autre. Ouais, sans interruption, là, c'est pas arrivé une fois encore. Ah ouais. On est toute la gang, là, du député quand t'as pas un watch-along, là, tu vois. Tout le monde capote. Puis Biden est... Je suis impressionné, c'est un weirdo bizarre là. Ben depuis l'affaire des taxes qui est sortie, on sait qu'il n'y a pas le choix de se faire réélire, sinon il fait faillite. Puis, En fait, Biden, je trouve que c'est un weirdo, il y a plein d'accusations lui avec. Ouais, ouais. Mais il a pris du galon pour moi en soi. Il est bien plus présidentiel. Ouais, c'est sûr. Je sais bien, c'est pas rien. Ça prend pas grand chose. Non, mais je sais bien que tu veux pas juste être présidentiel, faut que tu sois bon aussi, là. Mais tu sais, le marketing de la chose, c'est gênant. Sa stratégie, c'est juste de le faire stalker. Là, tu sais, lui, il parle, puis l'autre, il en parle dessus. Puis à un moment donné, une question très spécifique, puis il dit t'es allé à l'école où, toi, hein? T'étais pas le premier de ta classe. Nanana. Il débat même pas. Wow. Il débat le modérateur. Il se chicane avec le modérateur. Le gars passe son temps à dire Mr. President, you have 2 minutes, et nanana. Tellement qu'à un moment donné, il dit I guess I'm debating you now. C'est débile. J'ai jamais vu ça. C'est le gros mouton. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Heureusement qu'il fait ses recherches. Des recherches pas faites, c'est un peu comme un certificat cadeau. Que tu vas pas cacher in. C'est. Écoute, fais-les. Tu sais, t'es rendu, là. Ils sont là, ils te regardent, les recherches. Non, on arrive au bout de la source. Aiguille de fer, bon. Parfait pour retrouver son chemin.
Ah, oh, j'étais juste à côté. Une petite banane. Aiguille de fer et aiguille de fer 2. Celle-là était meilleure que la première. Salut, Jobiwan! Content de t'avoir avec nous. On avance bien dans Ori and the Will of the Wisps. C'est un jeu, comme tu vois, de stratégie au tour par tour. Qui implique des décisions, beaucoup de menus aussi. Flinguer juste pour avoir le dernier mot. Ça a posé proche que je ravale mon orgueil en estime. J'aimerais en aventure, la route est longue. J'aimerais ton visage. Une grande bibliothèque se trouvait autrefois à la source. Ah ouais, moi je mettrais pas des livres proches de l'eau, en tout cas. Ori, le savoir coulait entre ses murs comme de l'eau. Maintenant, une grande partie de ce qui existait jadis est perdue. Et l'eau ne coule plus. Ben, tu sais, hein. Toute ma mission, c'est d'essayer de faire couler l'eau. Les légendes étaient vraies, la bibliothèque de la source. Regarde cette montagne de savoir. Ben oui. Il y a une autre chose, une présence fétide. Fétide Adams. Elle a l'air de venir d'en haut. Tu ne peux pas aller voir pendant que je consulte ses livres. On s'en doutait bien. Va tuer le boss, puis. Je suis prudent. Juste mort plusieurs fois. Je connais des recherches qui ne vont pas se faire faire. Ok. Ça me fait juste assez de patente pour me payer un upgrade! Oui, je le veux. Je veux l'upgrade. Oui. Marteau spirituel. La lance. L'étoile spectrale. La déflagration. Tiens, on va prendre la déflagration. Ah, oh, là, je peux avoir la power déflagration. La cadence de la sentinelle. Ok. Moi, je suis prudent, écoute. Je suis prudent. Oh. Mystérieuse graine. C'est moi qui l'ai trouvé. C'est qu'on va faire avec cette graine-là. Ah non, je voulais pas sortir. Là, mettons. Ah ouais, amène-le le boss.
la présence fétide que... Oh! Oh, tabarnak! C'était bien une présence fétide, oui, je suis d'accord. Ah, je veux pas recommencer au début à chaque fois, là, les longues gars. Ça me gosse ces affaires. Des espèces de courses qui font ça. Je mets pas GoldenEye au 64 à cause de ça. De tous les tableaux, c'était comme une course qu'il fallait que tu refasses tout le temps la même affaire. Oh, je recommence au début à chaque crise de fois. Bon, ben, ouais, hein, c'est ça qui se passe, hein. Ben voyons, tabarnak! Oh, au début, à chaque fois, oh! Dans le premier aussi, ça faisait tout le temps ça, puis je trouve ça, c'est chiant. C'est le genre de patente que c'est pas un challenge à le faire. T'es en train d'écouter du Gianni, je suis en train de jouer à un jeu qui s'appelle... Ouais, c'est un très beau jeu.
un petit peu les mêmes problèmes que le premier. T'as l'air d'un spectre. Oh, hey, je suis là. Là, je recommence au début. C'est comme t'es capable, course. Tommy, t'es capable! Ben, merci. Je pense qu'on va arrêter là pour asseoir tranquillement. Je vais essayer une autre fois, puis. Hey, t'es en train de péter plein d'affaires! C'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait le débat important à son. Panique, l'autre gros moron. Ah, c'est donc bien beau ce jeu-là, on dirait que je regarde. Voyons, Avatar. Ouais, ouais, ça, je pense que le design est un petit peu pensé pour être ça. Il y a le 2 là-dessus qui va sortir bientôt, je pense. Ouais, ça fait comme 20 ans qu'ils travaillent là-dessus. Hey, moi, je suis allé voir ça avec notre cousine Geneviève à Rouen. Hey, hein? Souvenez, en 2010. Bon, ben j'en ai plein mon casque, fait que si vous voulez me remplir l'arrêt, c'est pas mal le genre de cossin niaiseux, de challenge qui pue, fait que ça va être ça pour ce soir. Salut Electo de Dilos aussi, on va le faire une autre fois, là, à force de gosser ces cossins-là, on passe au travers. Je vous invite à écouter, hein, on va écouter une dernière fois l'hymne national de l'Honduras. Merci beaucoup d'avoir passé la soirée avec nous. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté ça en archive, si vous avez écouté ça en archive. Voilà, à la prochaine!